Non, c'est pas très fort, il faut parler. Donc, pour parler de biodiversité, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Thierry-Henri Dupion, qui est donc professeur au Muséum national d'histoire naturelle et dans d'autres établissements comme l'AgroParisTech, l'ENS, etc. Il est chercheur donc à l'Institut de systématique évolution de biodiversité, unité CNRS au Muséum. Et donc, M. Dupion est biologiste spécialisé en sciences de l'évolution. En génétique, botanique, écologie, et il s'intéresse, donc au-delà de ses travaux scientifiques, il s'intéresse aux relations entre science et société, éthique. Il a un CV assez impressionnant, il m'a demandé de pas trop en parler. C'est gentil, merci. Bon, je mentionnais deux choses quand même, par exemple, il est membre du comité d'éthique de l'INSERM, il est membre du conseil scientifique du CRIGEN, c'est-à-dire le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, il préside le conseil scientifique du think tank de la Fondation Nicolas Hulot, et donc un certain nombre d'autres postes importants. Par ailleurs, il a écrit une dizaine de livres, et auteur ou co-auteur d'une dizaine de livres. Le plus récent, je pense, c'est donc Le fil de la vie, la trace matérielle du vivant chez Odile Jacob. Donc, il donne beaucoup de conférences, une vingtaine par an, et donc aujourd'hui, il nous fait le plaisir de venir faire une conférence sur la biodiversité. Il a dû abandonner ses étudiants ce matin et de retour cet après-midi pour venir spécialement vous parler. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais effectivement vous parler de biodiversité. Je vais commencer par vous parler de ce que c'est que la biodiversité et pourquoi on a du mal à comprendre ce que c'est. Pourquoi notre vision de la biologie est faussée par toute une série de mythes qui sont des mythes qui sont transmis par la société et qui rend difficile le fait d'avoir une vision purement scientifique de la question. Je pense que c'est vraiment important de voir ça, et ensuite on verra une conséquence du mal fonctionnement du système, aussi bien d'ailleurs scientifique que social. Alors quand on parle de biodiversité, il est de bon ton de montrer des photos. Là je vous ai quand même mis des bactéries, d'habitude on n'en met pas, on met des trucs aussi jolis que possible, de façon à convaincre les gens que la biodiversité, c'est bien, c'est sympathique, etc., il faut la conserver. Et cette vision-là, cette manière de faire, eh bien, je vous la fais parce que ça se fait, mais je vais vous dire que je suis très méfiant vis-à-vis de cette manière de faire les choses. Je pense que c'est assez mauvais, en fait. En réalité, c'est dommage, il aurait mieux valu éteindre cela et allumer cela, mais je ne sais pas si c'est faisable, ça. Parce que, en réalité, si jamais on choisissait déjà d'autres bêtes, peut-être que les gens trouveraient que la biodiversité, c'est pas si joli que ça, tout compte fait. Ça, c'est un premier point. Il y a un côté un peu manipulation dans cette histoire. Mais le deuxième aspect, c'est que ça présente la biodiversité comme une collection de timbres, comme une collection d'objets, comme ça, juxtaposés. Et on va vous faire le son et lumière. Hop. Non, on va arrêter. Je sais qu'on peut éteindre. Il ne faut pas tout éteindre non plus, sinon ils vont s'endormir, c'est un problème. C'est un peu mieux déjà. Ouais, c'est très bien comme ça. Ouais. Voilà, donc cet aspect collection de timbres, d'ailleurs du coup ça présente les gens qui travaillent sur la biodiversité comme de gentils chasseurs de papillons, vous savez, qui vont récolter des machins, les épingler dans des boîtes. Or, en réalité, ça fait un moment que les choses ne sont plus comme ça. Mais il y a un poids de l'histoire et un poids donc des mythes sociaux qui est très important dans cette affaire. Alors, je voudrais commencer par ça, reconnaître qu'il y a des espèces dans le monde vivant. Ça, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique, ni même d'ailleurs d'être un homo sapiens. Un chat reconnaît facilement une souris d'un chien. Donc, faire des catégories dans le vivant, ce n'est pas compliqué. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ce qu'on en fait, eh bien, ça va dépendre des époques, ça va dépendre des... Ça va dépendre de toute une série de choses. Jusqu'au XVIIe siècle, par exemple, on admettait parfaitement l'idée de métamorphose, c'est-à-dire de passage d'une espèce dans l'autre. Ça, comme vous avez Ovid dans l'Antiquité. Ça, c'est trois traités de botanique différents du XVIIe siècle qui racontent la même histoire. Il existe un arbre dont les feuilles tombent dans l'eau et se transforment en poisson, et d'autres tombent sur le sol et se transforment en oiseau. Voilà. Alors tout ça vient de réelles observations. Si ça vous intéresse vraiment, je vous expliquerai. Hein, mais les anatifs, qui sont des petits crustacés fixés, anas, ça vient de canard, on pensait qu'ils se transformaient en canard. Et d'ailleurs, les berniques,
que vous connaissez peut-être si jamais vous aimez la Bretagne, et les bernaches, qui sont des oies, c'est à la même origine, parce qu'on croyait qu'ils venaient du même année. Non, là, c'est trop, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a éteint la lumière? Laisse la travée centrale, laisse la travée centrale. Ah là, ils vont s'endormir, là, ça va pas du tout. Voilà, donc, donc l'idée qu'on peut passer d'une espèce à l'autre est admise. Au XVIIe siècle, donc aussi, on invente le microscope. Hein, c'est Van Leeuwenhoek, un Hollandais, qui invente le microscope. La deuxième chose, en fait, qu'il découvre avec, c'est ses propres spermatozoïdes. Et immédiatement, un de ses collègues, Hartsocker, va dessiner un spermatozoïde comme ça, avec un petit bonhomme à l'intérieur. Et cette vision-là va être importante. On va croire qu'effectivement, l'enfant est dans le spermatozoïde. Alors, c'est faux, hein, je veux que ça soit clair pour tout le monde, qu'il n'y a pas que des biologistes dans la salle. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'on raconte encore cette histoire aux enfants. Il y a encore plein d'irresponsables qui disent aux enfants que papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Or, je vous dis que c'est complètement faux, ça. La petite graine, c'est la maman qui l'a fait. Le père, il a mis un machin de rien du tout à l'intérieur. Hein. Et évidemment, ça donne une vision sociale de la procréation qui est extrêmement fausse, puisque ça suppose donc qu'en réalité, eh bien, l'enfant est le produit du père, et que la mère n'a été qu'un terreau nourricier. Hein. Donc, vous voyez, on colporte comme ça des choses qui sont fausses, mais qui collent avec une vision sociale. Je ne ferai pas d'anthropologie sur le sujet, mais les mythes qui redonnent au mâle la priorité dans la procréation, il y en a dans toutes les sociétés. Alors, au XVIIe siècle, quand on imaginait cette histoire de petites graines, c'était tout à fait au premier degré, c'est-à-dire que si la semence humaine tombait dans la terre, elle pouvait germer et donner une mandragore, qui est une plante à moitié humaine. Hein. Donc, vous voyez, l'idée, il y a des espèces, certes, mais tout le monde peut passer d'une espèce à l'autre, etc. Voilà comment ça se passe au XVIIe. Il va falloir attendre donc le XVIIIe siècle pour que toutes ces fables-là soient éliminées. On va décider, en fait, qu'il n'existe pas de métamorphose entre espèces. C'est-à-dire, donc, que chaque espèce ne peut produire que des individus de la même espèce. Quand je dis que c'est une décision, c'est parce que, je reviendrai là-dessus, mais on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une décision parce que ça veut des métamorphoses, il en existe. Je ne sais plus si j'ai ça ou pas. Non, je ne l'ai pas là. Voilà. Excusez-moi, ils ne sont pas dans le bon ordre. Hein. Ça, quand cette chenille se métamorphose en ce papillon, eh bien, c'est une métamorphose, il n'y a pas de doute. Simplement, on va décider que si une métamorphose comme ça se produit, alors c'est la même espèce. C'est-à-dire que ces deux trucs-là en beau ne pas se ressembler, puisque l'un engendre l'autre, alors c'est la même espèce. Et du coup, à partir du moment où on a décidé ça, évidemment, il n'y a plus de métamorphose entre espèces. Et ça donne donc aux espèces, à partir de ce moment-là, une fixité. Et donc, ça va permettre de commencer à classer le monde vivant d'une façon scientifique. Donc, au XVIIIe siècle, donc, Linné, en 1737, va produire donc, ce qu'il appelle un système de la nature. C'est un système qui organise la biodiversité. Donc, Linné est un savant suédois. Et son système de la nature va être le début d'une nouvelle science qui s'appelle la systématique. La systématique, c'est la production de systèmes qui organisent ce fouillis de la biodiversité. Et Linné va le faire en partant des espèces, et puis il va regrouper les espèces en genres, les genres en ordre, les ordres en classe, etc. Et dans les espèces, il va reconnaître des sous-espèces et des variétés. Variétés ou races, hein, qui sont des catégories relativement floues, mais courantes en systématique, n'en déplaise au politiquement correct. On pourra en reparler si vous voulez aussi. Bien sûr que toutes ces catégories sont des manières de décrire une réalité, mais qui sont des catégories avec un certain degré d'artificialité. Hein. Voilà. Linné va faire ça sur une base théorique très claire. Il explique que toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Cette phrase contient beaucoup d'informations. Vous voyez que c'est les espèces qui ont été créées par le Créateur, et elles sont éternelles et immuables. Elles vont rester dans les limites de leur propre type. Alors après, Linné, dans ce texte-là, dit que bien sûr il y a des variations dans les espèces, mais que ça n'a aucun intérêt, que ce sont des caprices de la nature.
Voilà. Et que la vraie diversité, c'est la diversité du créateur. Donc, la diversité des espèces. Pourquoi je commence par vous raconter ça? Parce qu'au fond, il y a encore énormément de gens qui pensent que la biodiversité, c'est la diversité des espèces. C'est ce qu'on entend très souvent. Et en réalité, tout ça est donc fondé sur une vision du monde parfaitement stable, créée une fois pour toutes, où la diversité a été créée au départ, et ça ne bouge plus. Et malheureusement, je crains que cette vision biblique nous influence terriblement. Qu'on soit croyant ou pas, on connaît tous la Genèse. Et c'est un des fondements de notre culture. Et on a un mal fou à sortir de cette vision de la Genèse, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais c'est un point important que je voudrais que vous compreniez bien pour comprendre la suite. Alors, donc une espèce, jusque-là, c'était décrit, on la reconnaissait par des critères morphologiques. À partir du moment où on veut que les métamorphoses se produisent dans les espèces, c'est le critère de filiation et non plus le critère de ressemblance qui devient le critère pour donner une espèce. L'espèce prend une dimension temporelle, et d'ailleurs, toute la systématique va se transformer de cette façon-là. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus aucune manière de classer les êtres vivants qui ne soit pas fondée sur une généalogie. Ce qui conduit à dire, par exemple, donc, que les oiseaux sont des dinosaures, que les humains sont des singes, et que les reptiles n'existent pas, ou s'ils existent, les oiseaux en font partie, puisque les oiseaux sont une des branches de l'arbre des reptiles. Voilà. Donc, on avance sur ces questions. Mais on garde encore donc des vieux réflexes, malheureusement. Alors, il y avait une chaîne des êtres qui était à cette époque-là. Tout le monde imaginait qu'il y avait le non-être en bas, l'être parfait, Dieu en haut, et puis entre ça, les minéraux, les plantes, les animaux, les femmes, les hommes, les démons, les anges et Dieu. Alors, je suis content de vous voir sourire, ça prouve qu'on a fait des progrès. Je crains que vous ne souriez qu'à cause de ces deux lignes-là. Mais dire que les animaux sont supérieurs aux plantes, c'est tout aussi con. Et comme l'a d'ailleurs fait remarquer Lévi-Strauss, dès lors qu'on hiérarchise les choses dans la nature, on va les hiérarchiser aussi dans l'espèce humaine, entre les races, entre les sexes, etc. La bonne solution, effectivement, c'est de se battre contre cette hiérarchisation forcenée que nous avons tendance à faire dans notre culture, et pas contre l'existence de races, par exemple. Ou de sexe, voire même. Voilà, donc... toujours pareil, ces réflexes qu'on a, c'est des réflexes sociaux qui amènent à une vision biaisée de la nature. Alors, conserver la biodiversité, eh bien, dans la Bible, on a dit comment il faut faire. Le premier type qui s'occupait de ça s'appelait Noé. Et pour conserver la biodiversité, il a mis un couple de chaque espèce dans un bateau. Et puis voilà, tout le monde est content, tout le monde est sauvé. Alors, je vous signale que ça ne marche pas techniquement, cette méthode. Si vous mettez juste un couple, ça ne va pas aller parce qu'il va y avoir une consanguinité d'enfer dans les descendants au bout d'un moment et vos espèces, elles vont s'éteindre quand même. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est effectivement cette vision où c'est l'espèce. Voilà, il suffit de garder l'espèce et puis c'est bon, quoi. Comme si jamais c'était le seul niveau de la diversité. Les espèces sont censées se comporter correctement, c'est-à-dire être un ensemble d'individus qui se croisent entre eux et jamais avec les autres. Mais dans la nature, les espèces, elles n'arrêtent pas de faire des trucs qu'il ne faut pas. Et je reviendrai un peu là-dessus. Mais les espèces... Alors, les profs de SVT aiment pouvoir faire apprendre des définitions par cœur à leurs élèves. Et donc, dire qu'une espèce, c'est un ensemble d'individus qui se reproduisent entre eux et pas avec les autres, ça, c'est facile à faire apprendre par cœur. Les élèves récitent, ils ont une bonne note. S'ils ne savent pas, ils ont une mauvaise note. Et tout le monde est content. Sauf que ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des tas de croisements entre espèces, on y reviendra. Enfin, dernier point pour poser les bases historiques de ce que je veux vous raconter. Eh bien, la vision de la nature va beaucoup évoluer au XVIIIe siècle. D'une part, des gens comme Rousseau vont dire que la nature est bonne, et la nature humaine, d'ailleurs, est bonne en même temps, ça va ensemble. Nous, au Jardin des Plantes, on en avait un super bien. Le directeur du Jardin des Plantes de la fin du XVIIIe siècle s'appelait Bernardin de Saint-Pierre. Il a écrit « Paul et Virginie » pour dire à quel point la nature est accueillante pour des pauvres petits-enfants perdus, etc. Il a écrit un livre qu'il considérait lui comme plus scientifique, qui s'appelle « Les harmonies de la nature », dans lequel il explique que tout a été fait pour le bien des humains. Et par exemple, il donne l'exemple « Le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille, et la citrouille étant plus grosse, peut être mangée avec les voisins. » Donc vous voyez, un monde particulièrement accueillant et gentil. Alors ça, c'est une vision positive de la nature qui va exister au XVIIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle apparaît aussi la notion de progrès. Et au Jardin des Plantes, le directeur... du Jardin du Roi, pardon, au XVIIIe siècle, s'appelait Buffon. Et Buffon a été... mais c'était en même temps un industriel. Il possédait des forges à Montbard, près de Dijon. Peut-être que c'est pour ça qu'il avait une vision du progrès
assez violente. Et lui, alors, la nature, il trouve que ce n'est pas un bien du tout. Hein. Il écrit un texte qui s'appelle « De la nature », dont je vous ai mis quelques phrases ici. Vous voyez, parce que moi, il y a un problème d'affichage, j'ai rien du tout là, donc je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Donc il va parler du haut, dans les parties élevées, il y a des arbres sans écorce et sans cimes, rompus, tombant de vétusté, qui pourrissent les uns sur les autres. La nature qui, par d'ailleurs, brille par sa jeunesse, paraît ici dans la décrépitude. Donc ça, c'est les tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Hein. C'est la nature sauvage. Hein. Elle n'offre qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres, chargé de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs, de la corruption. Voilà pour le haut. Dans le bas, des eaux mortes et croupissantes qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Entre les deux, il y a des landes avec il y a des mauvaises herbes qui surmontent et étouffent les bonnes. Et l'homme là-dedans, eh bien l'homme dit « La nature brute est hideuse et mourante ». Voilà une vision très claire de la nature, hein, par l'un des deux plus grands naturalistes du 8e siècle. Hein. Linné et Buffon étaient les deux chefs de cette discipline à l'époque. Hein. Desséchons ces marais, animons ces eaux mortes, mettons le feu à cette bourre superflue, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar dont le crapaud composait son venin, une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultivée. Donc vous voyez là une vision du monde très très claire où la nature est mauvaise et où il faut entièrement la refaire à notre main pour qu'elle soit bonne. Entre Rousseau et Buffon, il y a un monde. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ce débat, tout compte fait, s'est maintenu aujourd'hui pratiquement sans progrès. Quand vous voyez certains débats entre des écolos et des pro-technologistes de la mort, vous allez avoir en gros les deux points de vue exactement de la même façon. On y reviendra à la fin. Bien. Qu'est-ce qu'il a fallu comprendre pour avancer? Il a fallu d'abord comprendre que les espèces pouvaient s'éteindre. Et ça, ça a été la grande découverte de Cuvier. Hein, il découvre qu'il y avait des bêtes comme ça et des bêtes comme ça. Hein, ça, c'est le mammouth du muséum. Hein, et évidemment, s'il y en avait encore, on les aurait vus quand même. Hein, et pas... Donc, il n'y en a plus. Donc, ils se sont éteints. Et Cuvier va montrer qu'il y a des extinctions en quantité. Voilà. Et puis donc, on en arrive donc, à la période contemporaine du point de vue de la biologie. La biologie repose entièrement sur une théorie fondée en 1859 par la publication de l'Origine des espèces de Darwin. Darwin qui va donc fonder sa théorie sur deux grands principes subordonnés l'un à l'autre. Le premier principe, c'est le principe de sélection naturelle. C'est un principe plus compliqué qu'il n'en a l'air. Les individus se reproduisent, cette reproduction produit une variation, et cette variation est héritable. Et c'est ça la particularité du vivant, c'est de produire des variations qui se transmettent. C'est-à-dire que les individus les plus grands font en moyenne des descendants plus grands que les individus les plus petits. Et ça, c'est une caractéristique très particulière au vivant. Et du coup, comme cette variation est héritable et que la nature opère un tri dans ces variations parce que certains individus réussissent mieux que d'autres dans la nature, eh bien, il y a une sélection qui se produit. Et cette sélection va permettre d'expliquer que les populations se maintiennent, se transforment et éventuellement aussi divergent. Dans l'Origine des espèces, donc publié en 1859, Darwin développe ses idées et il va mettre une seule image. Dans tous ses livres, sont richement illustrés, mais dans l'Origine des espèces, il y a un seul dessin, c'est celui-là. Il n'est pas ultra sexy, j'avoue, mais j'aimerais bien que quand vous repartirez d'ici, vous compreniez que c'est le dessin qui représente le mieux la biodiversité, évidemment, même s'il est moins joli que les premières photos que je vous ai montrées. Alors, je vais prendre 3 minutes pour vous l'expliquer, parce qu'au fond, une fois que vous aurez compris ça, vous aurez compris toute la biodiversité. Premièrement, le temps va de bas en haut. Ça, c'est parce que Darwin était géologue au départ. Les géologues, ils ont l'habitude de faire ça. Et d'ailleurs, comme c'est un géologue aussi, il met le temps en couches. Hein. Voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, à part ça, c'est bien. Alors, donc, il a plusieurs lignées dont on devine qu'elles proviennent sûrement d'un ancêtre commun, mais ça, c'est pas le problème. Certaines vont s'éteindre, et puis d'autres vont subir des... Ah oui, je suis désolé, je suis sorti du champ, là, mais... D'autres vont subir des changements. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À chaque pas de temps, ces lignées vont produire des variations. Et ces variations, eh bien, elles vont... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le temps va de bas en haut, mais horizontalement, c'est un axe assez abstrait de différenciation écologique. Plus deux points sont éloignés, plus ça veut dire que les individus explorent des niches différentes. Alors, évidemment, il n'a pas le mot niche ni le mot écologie, il parle de place dans l'économie de la nature. Mais ça veut dire la même chose. Donc,
À chaque instant, il y a des formes nouvelles qui sont produites. La plupart s'éteignent, et en particulier celles qui sont au milieu, parce qu'elles sont en compétition les unes avec les autres. Celles qui souffrent le moins de la compétition, c'est celles qui explorent les niches les plus écartées. Et le résultat de la sélection, donc c'est le donc premier principe, la sélection naturelle. Deuxième principe, la divergence. Les lignées vont diverger sous l'action de la compétition et de la sélection. Et donc, progressivement, eh bien, vont se mettre en place différentes lignées, comme ça. Beaucoup vont s'éteindre, mais ce qui restera, eh bien, ça sera des lignées avec une certaine diversité. Et il y a plein de choses à dire sur ce dessin. Il y en a deux au principal. Ça, je passe là-dessus. Premièrement, aujourd'hui, donc, on représente la biodiversité sous la forme d'un arbre, comme ça. Je pense que vous connaissez tous ça, sans doute. Enfin, bon. Il y a trois grandes branches qui partent, on ne sait pas trop où d'ailleurs, les bactéries, les eucaryotes et les archées qui ont été découvertes il y a une vingtaine d'années et qui sont un troisième groupe aussi différent des deux autres qu'ils ne le sont entre eux. Et puis dans les eucaryotes, bah, nous on est là quelque part, dans les animaux. Notre groupe frère, c'est les champignons, les champignons qui sont plus proches de nous que des plantes, contrairement à ce qu'on a longtemps cru. Voilà, je passe les détails. Donc dans ce schéma, eh bien, on va pouvoir regarder comment les choses fonctionnent. Et évidemment, si vous mettez peu de temps entre les lignes horizontales, et ben vous, à partir d'une population de départ, vous en avez fabriqué trois qui peut-être sont déjà des variétés différentes. Si vous mettez plus de temps, ben ça c'est peut-être encore deux variétés, mais ça c'est déjà une sous-espèce. Si jamais vous mettez plus de temps, ça c'est peut-être déjà deux sous-espèces, mais ça c'est devenu une espèce différente. Si vous mettez encore plus de temps, ça c'est trois espèces, etc. Tous les niveaux de la hiérarchie de la biodiversité peuvent être expliqués par ce schéma. Premièrement, alors ça veut dire évidemment que les formes vivantes divergent progressivement, il n'est pas question de dire qu'il y a un moment précis où ça devient des espèces. Le moment où on décide... Donc je voudrais que vous compreniez qu'il y a une part d'arbitraire et il y a une part de pas arbitraire. Ce qui n'est pas arbitraire, c'est le fait qu'il existe des lignées comme ça qui sont différenciées. Et si je me place aujourd'hui, donc c'est la ligne numéro 10, et vous voyez d'ailleurs que Darwin met toutes les formes actuelles au même niveau, il n'y en a pas une qui est plus évoluée que l'autre, puisque tout le monde vient de la même origine, Donc l'idée qu'il y a certains organismes qui ont plus évolué que d'autres, c'est encore une fois, ça fait partie des mythes, ça. Mais, donc aujourd'hui, on en est là, et effectivement, il y a des formes discrètes. Maintenant, savoir si jamais je dois appeler ces deux formes-là des variétés, des sous-espèces, des espèces ou des genres, ça, c'est une décision arbitraire. Et qui va être prise par des spécialistes, qui connaissent bien le groupe et qui vont convaincre tout le monde que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis quand les spécialistes n'arrivent pas à se mettre d'accord, on a mis en place des structures internationales qui prennent les décisions collectives, au vote parfois. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et voilà, donc une espèce, eh ben, une espèce, c'est ce qu'on a décidé être une espèce parce qu'on trouvait qu'il y avait un groupe qui avait pris une individualité suffisante pour qu'on ait envie de lui donner un statut d'espèce. C'est ça la vraie définition d'une espèce. C'est vachement plus dur à enseigner que le coup de « crac, ça se croise pas ». Donc c'est pour ça que les profs refusent d'enseigner cette définition-là. Ils préfèrent quelque chose de faux, mais de facile à enseigner. On les comprend, Bon. Ah, pardon, ça c'est pour le cas. Alors, Darwin insiste sur ce point-là. Il insiste sur le fait que jusqu'à présent, on n'a pas pu tracer une démarcation entre les espèces et les sous-espèces. On n'a pas réussi davantage à tracer une démarcation entre les sous-espèces et les variétés fortement accusées. Ou entre les variétés à peine sensibles et les différences individuelles. Donc, vous voyez, espèces, sous-espèces, variétés, individus. Ces différences se fondent l'une dans l'autre par des degrés insensibles constituant une véritable série. Vous voyez que si vous voulez comprendre la biodiversité, il faut vraiment vous placer dans ce cadre-là et comprendre que c'est tout ça la biodiversité. Ce n'est pas simplement je coupe là où c'est des espèces, là où ce n'est pas des espèces, je m'en fous, là où c'est des... etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est cet ensemble-là qui constitue la biodiversité. Ça, c'est le premier point. Darwin se rend compte très vite qu'il n'arrive pas à convaincre ses contemporains de ce qu'il raconte. Sur ce plan-là, il écrit « Je suis souvent désespéré », ça c'est en 1860, donc un an après la publication de l'Origine des espèces, « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » Je voulais laisser en anglais parce que je voulais que vous voyez que quand je dis bigote, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment le mot qu'il donne. C'est vraiment, et je pense qu'il a raison, il y a quelque chose de religieux dans notre vision du monde fondée sur les espèces. On est toujours dans la genèse, dans notre tête, et il n'y a pas que nous. Enfin, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que... C'est tout le monde, c'est y compris les biologistes. Vous voyez, on va vous présenter des trucs comme ça, on va vous dire, il y a 10, ça c'est le nombre d'espèces de différentes formes. Bon, alors les bactéries, on ne sait pas trop, on fait un peu n'importe quoi, mais on va vous dire qu'il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que de plantes. Ça, c'est vrai, il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que de plantes. Bon. Mais il y a des gens qui en déduisent qu'il y a 10 fois plus de biodiversité chez les insectes que chez les plantes. 90% de la biodiversité terrestre est chez les insectes. Ça, c'est faux.
le fait de compter les espèces, ça ne compte pas la diversité. Moi, je travaillais pas mal sur les plantes, un peu sur les insectes. Je peux vous dire que chez les plantes, eh bien, les plantes, chaque espèce de plante accumule une très grande diversité. C'est-à-dire que les plantes ont du mal à fabriquer des espèces qui soient vraiment séparées. Du coup, les systématiciens des plantes laissent des espèces qui contiennent beaucoup de variations. Alors que les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers, craquent, ils ne se croisent plus. Et du coup, ça fait des tranches très fines. Vous voyez, je vais vous découper le gâteau de la biodiversité en tranches fines chez les insectes, en grosses tranches chez les plantes. Vous comptez les tranches, vous ne comptez pas la quantité de gâteau. Eh bien, ça, c'est une évidence, tout le monde peut être d'accord avec ça, sauf que, encore l'année dernière, le CNRS a publié un article qui commençait par 90% de la biodiversité terrestre est représentée par les insectes. Donc on est... Quand je vous dis que tout le monde se trompe là-dessus, ce n'est pas seulement des non-spécialistes. Hein. Toute la communauté biologique est effectivement dans une difficulté par rapport à ça. Et quand on tape biodiversity sur le web, on trouve souvent des images comme ça. Vous voyez, les espèces, et puis derrière un fatras. Hein. Et donc, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, on va s'occuper que de ça. C'est une manière qui est liée à la genèse et qui n'a rien de scientifique avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Alors, je vous disais tout à l'heure que les espèces... Elles ne se conduisent pas bien. Bon, là, entre un éléphant et un rhinocéros, je ne sais même pas si c'est une femelle, d'ailleurs, pour tout vous dire, mais il y a... En tout cas, on n'a jamais vu d'hybride. Mais je voudrais vous dire qu'entre les chevaux, les ânes, les zèbres, on arrive à faire des tas d'hybrides. Et tout le monde dit que les mulets sont stériles, mais les mulets ne sont pas tous stériles. La stérilité... Mais évidemment, on ne les laisse pas se reproduire. Hein, qu'est-ce qu'on fout d'un descendant de mulet, donc on... mais voilà, les lions, les tigres, les léopards... Quand on a découvert qu'ils se croisaient, c'était il n'y a pas très longtemps, je m'en souviens encore, tous les zoologistes étaient très ennuyés et ont dit « Oh, mais c'est pas grave, les petits vont être stériles. » Eh bien, pas de chance, ils ne sont pas stériles, je vous préviens. Bon, eh bien, tant pis, et voilà. Ça ne veut pas dire que les lions et les tigres, c'est la même espèce. Oui, en plus, on s'en fout qu'ils fassent des hybrides fertiles, puisque de toute façon, les tigres, ils sont en Asie et les lions en Afrique. Donc, qu'est-ce que ça peut faire, hein? Mais n'empêche, hein, bon. Moi, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un hybride chèvre-mouton. Chèvre-mouton, et il est fertile. Et pourquoi je l'aime beaucoup? Eh bien, parce que les chèvres et les moutons, ce n'est pas le même genre. Ce n'est même pas des espèces différentes, c'est des genres différents. On est encore au niveau systématique du dessus. Et ça fait des hybrides fertiles. Parce que je voudrais vous convaincre qu'effectivement, le concept d'espèce est un concept relativement arbitraire. Et que, bien sûr, d'ailleurs, si jamais il y avait une définition non ambiguë de l'espèce, ça voudrait dire que l'évolution n'a pas lieu. Parce que, puisque ça se fait progressivement, il faut bien qu'il y ait des zones de flou. Donc, si on enseigne une vision non arbitraire de l'espèce, on enseigne une vision créationniste du monde. Ce n'est pas neutre. Voilà. Bon, alors, les histoires d'espèces ont traumatisé pas mal de monde, justement, parce qu'une fois, tant qu'on croit qu'il y a une vraie définition de l'espèce, on est dans une situation impossible. Vous voyez les goélands, par exemple. Ça, c'est la Terre vue du pôle Nord. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. Et donc là, vous avez un goéland qui se croise avec celui-là, 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 qui se croise avec celui-là. Et là, vous avez un autre goéland, mais ces deux-là, ils ne se croisent plus entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? On est drôlement embêté si jamais on veut avoir une vision fixiste du monde. Évidemment. Bon, je passe là-dessus. Voilà. Alors, je voudrais vous dire qu'effectivement, toutes ces questions, on ne peut pas les comprendre si jamais on ne les regarde pas à la lumière des processus évolutifs. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'en réalité, on n'a pas pris l'habitude de regarder les choses à la lumière de l'évolution. En réalité, j'ai constaté que beaucoup de gens croient avoir un discours évolutionniste, alors qu'en réalité, ils sont en train de parler de création. Vous voyez, au lieu de dire « le créateur a créé les espèces », eh bien, ils vont me dire « l'évolution a créé les espèces ». Il suffit de remplacer le mot « créateur » par le mot « évolution », puis le tour est joué, et donc on n'a pas besoin de réfléchir plus loin. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, parce que si vous mettez le créateur... Alors, le pire, c'est quand il me raconte en plus, et à la fin, hein, l'évolution a créé les espèces, et à la fin, elle a créé l'homme. Ah, voilà. Ça, c'est... Alors, on n'est pas du tout les derniers, hein, je vous préviens. La dernière espèce apparue sur Terre, à notre connaissance, c'est le moustique du métro londonien. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Bon, donc, voilà, il faut substituer à cette vision, vous voyez, où il y a eu une création, que ce soit par l'évolution ou par autre chose, eh bien, une vision dynamique, une vision dans laquelle le système bouge tout le temps. Parce que ce système-là, ce qu'il vous dit aussi, c'est qu'en réalité, eh bien, tout change tout le temps. La biodiversité ne peut pas rester la même d'un moment à l'autre. Conserver la biodiversité, ça ne peut pas être conserver l'état. Ça doit être... Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un équilibre de la biodiversité? Ben, je vais vous faire remarquer deux choses. Évidemment, il y a un équilibre entre les extinctions et puis les divergences. Mais les divergences, elles sont causées largement par les extinctions. Vous voyez que c'est quand même assez complexe comme phénomène. Hein,
Pourquoi je vous dis ça? Imaginez qu'il n'y ait pas d'extinction. Alors, c'est une expérience de pensée difficile à faire, mais s'il n'y avait aucune extinction, si les formes intermédiaires ne s'éteignaient pas, eh bien, il y aurait un tout cohésif. Le fait que ces lignées se séparent vient du fait que les formes intermédiaires se sont éteintes. Donc, l'extinction est nécessaire à la biodiversité. Hein, je parie que ça, vous ne l'avez jamais dit. L'extinction, c'est elle qui creuse les trous. Hein. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Claude Amezen qui parle de mort cellulaire et il crée un livre qui s'appelle « La sculpture du vivant » dans lequel il explique que la mort cellulaire, qu'a priori on a l'impression que ce n'est pas bien, que nos cellules meurent, ben non, au contraire, c'est tout à fait utile. Et nos doigts, par exemple, sont sculptés par la mort de nos cellules. Quand on est en état embryonnaire, nos doigts sont soudés et il faut que les cellules meurent pour séparer nos doigts. Et bien là, c'est pareil, vous voyez, il faut que les lignées s'éteignent pour séparer les lignées qui vont pouvoir exister. Et donc, la biodiversité dépend de cette extinction. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre entre les extinctions et la divergence des lignées. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est donc une crise de la biodiversité qui est liée au fait qu'il y a un déséquilibre, mais c'est un déséquilibre dans un équilibre dynamique. C'est pas du tout comme si jamais vous aviez un équilibre stable, hein, ou pas très stable, comme celui-là. Vous voyez, il y a des gens qui voient la biodiversité comme ça. Ils disent, oh là là, si on pousse trop, ça va tomber. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Un équilibre dynamique, donc entre extinction et divergence, c'est un équilibre dans lequel le système ne se maintient dans un état correct que si jamais il y a un mouvement. C'est comme un vélo, hein, donc il faut que ça bouge pour que ça se maintienne. D'ailleurs, c'est intéressant, si je vous montre cette photo, vous savez que le gars est en train de bouger, alors que la photo est parfaitement fixe. Voilà, soit il est en train de tomber, soit il est en train d'avancer, mais en tout cas, il ne va pas rester comme ça. Voilà, donc cet équilibre dynamique, eh bien, on en connaît d'autres. Hein. Oh là, pardon. Évidemment, si vous arrêtez votre truc, ben c'est là qu'on tombe. Alors c'est important ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que je suis en train de me préoccuper d'un équilibre dynamique dont je constate qu'il est en crise et qu'il rentre dans une dynamique d'effondrement. Et il y a des gens qui se disent, ah ben, au secours, ça va se casser la figure, il faut l'arrêter. On va conserver les choses en l'état. Mais arrêter les choses, c'est les foutre par terre. Hein. Alors voilà, d'habitude, je prends l'exemple d'un avion ou d'un satellite, je pense qu'avec vous, ce n'est pas la peine. Effectivement, un équilibre dynamique, c'est quelque chose qui a besoin du mouvement pour se maintenir. Hein. D'ailleurs, on en a une perception intuitive de ça avec notre propre corps. Hein. Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. On mange, on excrète, on respire, et c'est ça qui fait qu'on est vivant. D'accord ? Imaginez quelqu'un qui vous dit « Je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo. » Vous ne seriez pas d'accord, évidemment. Hein. Parce que, justement, vous savez que ça garderait certes votre forme, mais ce n'est pas ça, vous. Hein. Eh bien, la biodiversité, c'est la même chose. Hein. Les gens qui disent « j'aime la biodiversité, je veux la garder, je vais la mettre au frigo » sont des criminels. Comment ça s'appelle déjà? Bref, ils ne sont peut-être pas conscients, mais ils sont très dangereux. Alors, voilà, c'est tellement vrai, cette histoire de déséquilibre, que même un physicien célèbre a dit quelque chose qui peut aller là, dans ce sens-là. Bon, il l'avait repris d'autres gens, hein. Mais effectivement, donc, la dynamique des systèmes vivants est une dynamique qui nécessite absolument un mouvement pour se maintenir. Et ce à quoi on assiste donc actuellement, c'est donc à ce déséquilibre dynamique, hein, et au fait que le système est rentré dans une dynamique d'effondrement, ce qui veut dire que si jamais je veux la relancer, il faut que je m'occupe de remettre en œuvre un mouvement et pas de conserver les choses en l'état. Ça, c'est quand même le point important. Voilà. Pour vous donner un exemple d'erreur qu'on peut faire, il y a des chercheurs américains qui ont travaillé sur des forêts de Basse-Californie. Ils ont étudié la diversité des arbres là-dedans et ils ont montré que certaines forêts avaient une très grande dynamique, c'est-à-dire produisaient constamment des nouvelles formes, hein, et puis les anciennes s'éteignaient, et puis que voilà, ça marche bien. Ça, elles produisent donc constamment des nouvelles formes. Et d'autres, il ne se passe rien sauf qu'elles accumulent les formes qui viennent des premières. Donc, ils ont appelé les premières des sources et les deuxièmes des puits. Il y en a qui produisent tout le temps de la nouveauté, puis qui éliminent les vieux trucs, et puis d'autres qui accumulent tout ce qui se passe dans les premières. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a plus d'espèces dans les deuxièmes que dans les premières. Les puits sont plus riches en espèces que les sources, parce que les sources, elles recyclent, elles changent, etc. Le résultat, c'est que si jamais vous n'avez rien compris et que vous dites « je vais faire de l'aménagement du territoire, mais je suis respectueux de la biodiversité, je vais garder les forêts où il y a le plus d'espèces », vous allez garder les puits et éliminer les sources. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des conséquences très, très concrètes, hein, de ce genre, de ce que je suis en train de vous raconter en termes d'aménagement. Voilà. Et puis, dernier point, mais qui va nous ouvrir sur des points, des choses plus appliquées,
Eh bien, la question de savoir comment se fabrique la diversité au départ, d'où elle vient, ben, elle vient donc de ce qui se passe dans l'espèce, de phénomènes de variation héréditaire. Je ne vais pas avoir le temps de discuter ça à fond. Si ça vous intéresse, on en reparlera dans la discussion. Hein, mais effectivement, les gènes peuvent déterminer des variations, comme par exemple ce qu'on est capable de faire avec sa langue. Je ne sais pas qui est-ce qui sait faire ça dans la salle. Hein, il y en a qui savent la mettre en tube, ça c'est sûr. Mais en faire le trèfle, ce n'est pas tout le monde. Mais voilà, ça c'est des gènes. Si vous n'avez pas le gène, ce n'est même pas la peine d'essayer. Hein. Et il y a des choses en revanche qui sont entièrement héritées, entièrement dues à l'environnement. Par exemple, l'accent londonien. Les gens qui ont l'accent londonien, ce n'est pas dû à leur gène, c'est dû au fait qu'ils sont nés à Londres. Et puis, dans la plupart des cas, bah, il va y avoir les deux. Et les deux, ça veut dire qu'il bah, va y avoir des variations qui sont dues au gène et à l'environnement à la fois, et ça va être compliqué de les démêler. C'est des questions politiques compliquées, mais je n'ai pas le temps d'en discuter ici, mais bon je passe là-dessus. Oh, ça aussi. J'ajoute qu'il y a en plus des variations génétiques, des variations dites épigénétiques, c'est-à-dire que la manière de lire les gènes peut être variable, et que du coup, hein, même si les gènes sont les mêmes, vous pouvez avoir des résultats différents selon comment vous les lisez. Voilà, ça, la différence entre cette fleur-là et celle-là, ce n'est pas génétique, c'est épigénétique. Bon. Alors, je voudrais finir sur les aspects sociaux pendant les 10 minutes qui restent. Premièrement, la diversité des êtres humains a été traitée de façon très très dure. À partir du moment où on a eu compris qu'il y avait de la variation génétique chez les humains, eh bien, des gens bien intentionnés se sont dit qu'il serait bon de reprendre en main l'évolution humaine. Et ils ont créé une science donc, qui s'appelait l'eugénique. C'était un cousin de Darwin, qui s'appelait Galton, qui avait inventé le mot et l'idée. Et donc, l'eugénique, c'est l'auto-évolution de l'évolution, l'autodirection de l'évolution humaine. Il nous est dit que comme un arbre tire sa source de beaucoup de racines et puis les organise d'une entité harmonieuse, les racines, donc, c'est la génétique, la statistique, etc., pour des raisons historiques. Cette idée de convergence, hein, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais elle renaît aujourd'hui avec la convergence dite NBIC et le transhumanisme. Si ça vous intéresse, renseignez-vous, parce qu'il y a des mouvements extrêmement puissants et riches hein, qui sont en train, avec les nanotechnologies. NBIC, c'est nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cogniscience. La convergence de ces quatre sciences devrait donner une singularité. Je crois que c'est du côté de 2025, hein, un moment où va apparaître un homme nouveau, hein, entièrement technologisé, avec des puces dans le cerveau, etc. Bon. Alors, à l'époque, ce n'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont chercher à comprendre pourquoi il y a des tarés dans la société américaine. Ça, c'est la société américaine d'eugénique. Et ils vont essayer d'agir. Donc, alors, ils vont remonter des généalogies, trouver des gens dans le passé. Par exemple, Adagio qui vit en 1740, ils ont retrouvé 92% de ses descendants, 64 sont des débiles mentaux, 174 des pervers sexuels. 196 des illégitimes, bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais à l'époque, ce n'était pas bien. 142 illégitimes, ça veut juste dire né hors mariage. Hein. 142 des pauvres et 77 des criminels et meurtriers. Donc, vous voyez qu'Adadjouk n'a pas rendu service à la nation américaine, elle aurait mieux fait de s'abstenir. Et on va donc voter des lois eugénistes dans la plupart des États américains. Et au 1er janvier 1935, eh bien, on en est déjà à 21 539 personnes stérilisées pour cause de mauvais gènes. Il y aura des procès retentissants, les dames Buck qui ne veulent pas être stérilisées, ça va jusqu'à la Cour suprême, dont le juge conclut, 3 générations d'imbéciles, c'est assez, et on les stérilise. 65 000 personnes stérilisées sur le territoire américain, donc entre 1920 et 1950, disons. On n'enseigne pas ça en histoire en France, et c'est dommage, parce qu'évidemment, l'eugénique a marché aux États-Unis, elle a marché dans les pays scandinaves, ils ont stérilisé encore proportionnellement plus de monde que les États-Unis, la Suisse. La France y a échappé parce qu'à l'époque, on n'avait rien compris à la génétique. Hein. Bon, c'était la marque, hein, mais bon. Et évidemment, le pays champion du monde, ça va être l'Allemagne, avec le nazisme. Mais le nazisme, en France, on l'enseigne comme une espèce d'émergence comme ça, qui serait apparue à partir de la République de Weimar, due à des problèmes économiques. Mais ce n'est pas du tout ça. En réalité, il y avait un courant international d'essayer de fabriquer des races pures. Et d'ailleurs, ce courant international pour les races pures, chez les humains, ça s'est arrêté, on va y revenir, mais chez les plantes et chez les animaux, on a continué. Alors pourquoi ça s'est arrêté chez les humains? Voilà, bah parce qu'il y a eu Nuremberg. Et qu'à Nuremberg, on a dit que le respect de la dignité humaine était quelque chose, était un impératif tellement fort que rien ne pouvait excuser qu'on ne s'y soumette pas, que les crimes contre l'humanité ne pouvaient pas être excusés, même par l'obéissance aux ordres dans une armée, ce qui, juste après une guerre, était une affirmation très forte. Donc, évidemment, du coup, le progrès, parce que l'eugénisme, c'était une vision du progrès. L'eugénisme, eh ben,
est passé derrière, si vous voulez, l'impératif de respect de la dignité humaine, et du coup, on a arrêté de stériliser les gens progressivement. Hein. Les lois eugénistes, les dernières, ont été abrogées aux États-Unis ou en Scandinavie ou en Suisse dans les années 1970. Hein. C'est pas... Voilà, donc vous voyez que le traitement de la biodiversité et la vision d'un monde dans lequel l'idéal serait des races pures, c'était quelque chose de très très puissant au début du XXe siècle. Alors, de l'autre côté du rideau de fer, ça s'est passé autrement. Il y avait un grand généticien qui s'appelait Vavilov et qui a travaillé sur les plantes cultivées et qui a montré que chez les plantes cultivées, le dessin de Darwin marchait parfaitement. Chaque agriculteur ressemence ses semences, avait fabriqué une lignée originale à lui. Et donc, du néolithique jusqu'au XXe siècle, eh bien, c'est fabriqué une très grande diversité chez les plantes cultivées grâce à ce processus de sélection constante des plantes par les agriculteurs, chacun dans sa ferme, chacun dans son milieu, chacun avec ses propres critères, et que du coup, ça avait donné une très grande diversité. J'insiste un peu là-dessus parce que beaucoup de biologistes pensent que quand on sélectionne, on perd de la diversité nécessairement. C'est vrai dans une population donnée. Mais si vous regardez un ensemble de populations, bah selon comment vous sélectionnez, vous perdez ou vous gagnez de la diversité. Le fait qu'il y ait une diversité d'agriculteurs qui sélectionnent chacun avec ses critères et chacun dans son environnement a produit de la diversité dans les plantes cultivées. Alors on y reviendra, ça sera la fin de ce que je voudrais vous raconter. Donc Vavilov développe tout ça, c'est un très grand scientifique. Malheureusement pour lui, la génétique va être déclarée interdite en Union soviétique parce qu'un dénommé Lysenko convainc Staline et les soviets que la génétique est une science réactionnaire bourgeoise puisqu'elle suppose des différences innées entre les individus. Donc tous les généticiens soviétiques vont être emprisonnés. Vavilov sera emprisonné en 1940, il mourra de faim dans la prison de Saratov en 1943. Donc rassurez-vous, la morale est sauve. Pendant que les généticiens stérilisent les pauvres gens à l'ouest, les pauvres gens zigouillent les généticiens à l'est. Mais vous voyez quand même que les débuts de ces sciences de la diversité ont été, au début du XXe siècle, ont été extrêmement durs politiquement. Il ne faut pas croire. Et donc, évidemment, les questions de relations entre sciences et société sur ces questions sont très fortes. Alors, tout ça se passe dans un cadre de foi dans le progrès. L'eugénisme, c'était la foi dans le progrès. Ah oui, je n'ai pas pris le temps de vous montrer cette diapo-là, mais je vais vous la remontrer. Pearson, par exemple, c'est un très grand statisticien. Il a inventé le Qui2, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu de stats. Il travaillait sur l'hérédité. C'était l'élève de Galton, le cousin de Darwin. Il travaillait sur l'hérédité des variations. Et c'est pour ça qu'il développe des stats. Bon. Et il écrit deux phrases dans un livre sur le progrès médical. La science moderne, comme elle entraîne l'esprit, une analyse exacte et impartiale des faits, est une éducation particulièrement adaptée pour promouvoir la citoyenneté. Méditez cette phrase. Je pense que nous avons beaucoup de mal, nous, scientifiques, à pas penser comme ça. Comme nous sommes des scientifiques, nous sommes rationnels, et donc nous allons être plus malins que les autres quand il s'agit de prendre des décisions, parce que nous avons cette belle rationalité scientifique. Voilà dans quoi Pearson part. Qu'est-ce qu'il en déduit de sa belle rationalité? Que le droit de vivre ne donne pas le droit pour chaque homme de se reproduire. Et que comme nous avons diminué la force de la sélection naturelle, à cause des lois sociales du XIXe siècle, et que de plus en plus de faibles et d'inadaptés survivent, nous devons augmenter les standards mentaux et physiques pour être parents. La chose extraordinaire, c'est que l'eugénisme aujourd'hui, qui nous apparaît comme une horreur, et évidemment sa forme extrême, le nazisme, eh bien, ça a été vu comme un progrès par tous les scientifiques de l'époque, absolument tous. Je n'ai pas trouvé un seul texte écrit par un scientifique dans les années 30 qui critiquait l'eugénisme. Ils étaient tous pour. Je vais donner Pearson, j'aurais pu vous montrer un livre de Julian Huxley, qui s'appelle « What Dare I Think ?» Julian Huxley, donc, c'est le fondateur de l'UNESCO, en plus d'être un grand évolutionniste anglais. qui a créé la théorie synthétique de l'évolution, eh bien, Julian Huxley défend l'eugénisme dans ce livre. Et en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui vont écrire en faveur de l'eugénisme. Il y en a qui diront rien, mais il n'y en a pas qui diront contre. Et quand je dis tous, ça contient aussi Graham Bell, Alexander Graham Bell, qui était donc l'inventeur du téléphone, qui était un physicien. Mais ça, j'ai remarqué un truc, c'est quand les biologistes veulent faire une connerie au nom du progrès, les physiciens les soutiennent toujours. Vient par exemple de Pierre-Gilles de Gênes signant une pétition en faveur des OGM, comme s'il avait la moindre idée de ce que c'est que l'agronomie internationale. Bon, paix à son âme, mais quand même. Voilà. Donc j'ai vu, moi, personnellement, cette foi dans le progrès, je m'arrête dans 5 minutes, ça. Cette foi dans le progrès, au moment où le président de la République de 2004, Jacques Chirac, a décidé d'annexer à la Constitution française une charte de l'environnement.
Dans cette charte, il y avait le principe de précaution. Le principe de précaution qui dit qu'en face d'une incertitude, le mot le plus important peut-être c'est incertitude, en face d'une incertitude liée à un risque grave et irréversible concernant la santé humaine ou l'environnement, il n'est pas nécessaire d'avoir des preuves définitives du risque pour commencer à prendre des mesures. Et la première mesure proposée, c'est d'augmenter l'effort de recherche pour lever les incertitudes. Bon. Les gens, les promoteurs de ce principe de précaution savaient bien qu'ils allaient avoir quelques ennuis avec un certain nombre de gens, mais comme ça demandait une augmentation de l'effort de recherche, ils s'imaginaient quand même qu'il y aurait des chercheurs qui seraient d'accord. Eh bien, pas du tout. Quand ce texte était en train d'être préparé, l'Élysée a été assiégée par l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie d'agriculture, le CNRS, l'INRA, l'INSERM, le CEA. L'Élysée a organisé des débats publics, j'ai eu la chance d'en faire partie et de voir de près ce qui se passait, et c'était extraordinaire. Parce que les représentants de ces institutions si nobles arrivaient avec un seul discours, il ne faut pas mettre en place le principe de précaution, pour une raison très simple, c'est que ça va freiner le progrès. Le progrès. Le progrès est vu comme une sorte de divinité, vous voyez ? C'est-à-dire que le progrès, c'est le fait que toutes les techniques qu'on est capable de mettre en œuvre, il faut les mettre en œuvre. Et quand en débat, évidemment, je disais, mais attendez, peut-être qu'il y a plusieurs progrès possibles et que dans certains de ces progrès, il y aurait un peu de précaution à prendre. Peut-être qu'on pourrait choisir quel progrès on veut, plutôt que de se laisser imposer tous les progrès que la technique nous propose. Eh bien, ils n'avaient aucune réponse. Parce que ce n'était pas dans leur vision religieuse. Et moi, je voudrais vous dire une chose, je pense qu'aujourd'hui, notre communauté scientifique a développé progressivement une vision religieuse du progrès et qu'il y a des intégristes. Et que ces intégristes, eh ben, ils sont sélectionnés pour être à la tête des organismes ou dans l'Académie des sciences, etc. Donc on est dans cette situation, et je vais vous montrer, enfin j'aurai pas le temps de vous montrer, on pourra en reparler si vous voulez après, mais des éléments. Voilà, alors le progrès en biologie aujourd'hui, c'est de faire des biotechnologies. Et je ne vais pas être trop long là-dessus, mais vous voyez, ça c'est une page du site de Monsanto où il y a un agriculteur heureux. Il est heureux parce qu'il cultive un maïs Monsanto. Et les maïs Monsanto, si jamais il y a une mauvaise herbe, crac, on passe en avion, on met des herbicides, ça tue tout le monde sauf le maïs. S'il y a des insectes qui viennent l'attaquer, il produit lui-même un poison et donc ça va tuer l'insecte. Donc c'est le bonheur. Bon, vous savez que Monsanto, c'est quand même une boîte criminelle à de nombreux points de vue, mais déjà par l'histoire de l'agent orange, les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, donc je vais quand même le dire. L'agent orange, c'est un produit qui avait été produit par Monsanto pendant la guerre du Vietnam, qui était un défoliant, qui faisait tomber les feuilles. Les soldats américains se plaignaient que les Vietnamiens se cachaient sous les feuilles et que du coup, ils n'arrivaient pas à les atteindre. Et Monsanto a dit, qu'à cela ne tienne, vous allez épandre l'agent orange sur la végétation vietnamienne. Ça aura deux avantages, ça fera tomber les feuilles, ça foutra les cultures en l'air, donc ça vous fera gagner la guerre. On sait aujourd'hui que les responsables de Monsanto de l'époque savaient les effets que ça aurait sur les enfants qui naîtraient après exposition à ce produit. Et il n'y a jamais eu moyen de faire condamner Monsanto. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, donc, Monsanto se marie avec Bayer. Bayer, lui, c'est le Zyklon B. Donc, deux grands criminels de guerre qui vont fabriquer l'un des plus puissants consortiums chimiques du monde. Il n'y a pas de quoi être assuré. Bon. Alors, Monsanto a un peu abandonné la recherche en chimie maintenant et se concentre sur les questions d'OGM. Et je voudrais vous dire que je ne vais pas discuter longuement des questions d'OGM. Je voudrais juste vous dire une chose sur les OGM. Les OGM contiennent tous des gènes brevetés. Tous, c'est une caractéristique absolue des OGM. Et ces gènes brevetés, ça pose un problème, mais c'est ce monsieur qui a permis de le voir. Ce monsieur, c'est un agriculteur canadien du Saskatchewan. Il cultivait ses propres colzas et il les ressemait chaque année. Sauf que tous ses voisins cultivaient des colzas Monsanto. Et lui, il ne voulait pas acheter des colzas Monsanto. Ça énervait un peu Monsanto. Bon, les pollens des voisins, évidemment, venaient sur ses plantes à lui. Parce que les pollens se promènent. Bon. Du coup, quand il récoltait ses propres semences, de temps en temps, il y avait des gènes de chez Monsanto qui étaient dans ces semences. Monsanto s'en doutait, ils sont venus prélever les graines dans son champ, ils les ont analysées, ils ont montré qu'il y avait leurs gènes brevetés, ils ont dit, hop, vous nous devez 400 000 $ pour avoir cultivé des plantes avec nos gènes, et vous n'avez plus le droit de les cultiver sans notre autorisation. Et voilà, donc c'est allé jusqu'à la Cour suprême canadienne, comme c'était un gène qui rendait résistant au Roundup et qui n'utilisait pas le Roundup, il était libéré des 400 000 $. Ceci dit, ce qui n'a pas été libéré, c'est des prix du procès qui lui a coûté un fric fou, puis ça a duré 10 ans. Et surtout, Monsanto a gagné sur le point essentiel, il n'a plus le droit de semer ses semences. Donc voyez le truc. Donc maintenant, on trouve par exemple aussi des maïs mexicains commencent à être contaminés par des gènes nord-américains, etc. Vous mettez des gènes brevetés dans une plante, vous laissez le vent emmener ça chez les voisins, et l'espèce va être à vous.
C'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle pression sur le fait de faire des OGM? C'est parce qu'en réalité, il y a tout le pouvoir de posséder toutes les ressources génétiques de la planète. C'est ça la vraie. Il y a une guerre des semences sans merci qui est en train de se tenir au niveau mondial, où quelques entreprises sont en train de s'approprier toute la nourriture des humains. Parce que toutes ces plantes, c'est la nourriture des humains, directement ou indirectement. Bien, alors, le problème que ça pose, c'est un problème déjà politique et économique que vous pouvez comprendre sans que je vous fasse un dessin, mais je voudrais que vous compreniez aussi que c'est en train de foutre en l'air toute la diversité des plantes cultivées. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur Vavilov et les agriculteurs qui ressèment leurs semences, etc., ça va être fini. Il y a impossibilité pour les agriculteurs de ressemer leurs semences puisque PRAC, gène breveté, interdiction. Le résultat, c'est que la biodiversité des plantes cultivées, je voulais vous prendre cet exemple-là comme exemple concret, est en train de s'effondrer à une vitesse folle. C'est ultra dangereux. Une fois qu'on a les mêmes cultures sur des surfaces immenses, une maladie va pouvoir décimer tout ça, et je vous garantis qu'on va avoir des ennuis un jour ou l'autre avec notre agriculture folle. Parce qu'évidemment, on homogénéise à fond les cultures en mécanisant, etc., et on est en train donc de se mettre à la merci de maladies terribles. Alors, pour le moment, on emploie des pesticides en quantité pour réussir à faire vivre ces trucs trop homogènes, mais ça ne pourra pas durer hyper longtemps. Bon, je passe là-dessus. Alors, vous inquiétez pas, ils y ont pensé. De grands altruistes comme Bill Gates, qui, au passage, est quand même le premier actionnaire de Monsanto, ont décidé de conserver toute la diversité génétique des plantes cultivées dans un frigo. Alors, je vous rappelle ce qu'on a dit au début sur cette méthode. Voilà, donc, au Svalbard, vous connaissez tous, vous avez entendu parler de Svalbard, non? Donc, c'est d'anciennes mines dans une zone extrêmement froide, même avec le réchauffement climatique, ça devrait rester gelé. Et donc, on est en train d'accumuler toutes les semences qu'on peut, des plantes cultivées de toute la planète, dans ce frigo souterrain immense. Et voilà comment on va sauver la planète de la faim, puisque l'idée, donc, c'est qu'on nettoie toute la diversité à la surface, parce qu'il n'y aura plus que les quelques variétés produites par les boîtes de biotech, mais les gènes seront conservés à l'abri dans ce frigo, parce qu'évidemment, des graines dans un frigo, ça perd son pouvoir germinatif au bout d'une dizaine d'années. Donc, si vous avez besoin de ressources génétiques qui ne sont pas trop vieilles, vous pouvez encore aller les chercher là-dedans, mais quand elles auront 10 ans, elles seront mortes. Mais ce n'est pas grave, il restera les gènes. Et qui c'est qui saura utiliser les gènes si on a besoin de biodiversité? Ce sera les boîtes de biotech, ça tombe bien. Donc vous voyez la logique très très claire qui est derrière ce système. Et voilà ce que nous sommes tous, scientifiques, en train de soutenir dans les progrès techniques qui sont défendus avec les OGM. Et je vous garantis qu'à chaque fois que l'Académie des sciences a donné un avis sur les OGM, elle dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même vraiment très embêtant, parce que la biodiversité, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour comprendre que c'est dynamique, comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on la garde, comprendre que ça, ce n'est pas une vraie assurance contre les ennuis. Et ben, ça demande d'avoir un peu compris des phénomènes évolutifs. Et ce n'est pas la même chose que d'avoir compris comment fonctionne l'ADN, ce que savent faire la plupart des biologistes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui connaissent l'ADN, vous n'avez plus beaucoup de gens qui comprennent la biodiversité dans le monde scientifique. Cette vision-là, pour moi, le truc extraordinaire, c'est que c'est une vision créationniste sur les semences. Vous voyez ce que je veux dire? Si on comprenait Vavilov, si on se disait, oui, les semences, c'est un truc qui maintient constamment de la diversité grâce au fait que les agriculteurs ressèment leurs trucs, etc., on se dirait, il faut mettre en place un système de production de semences qui produit de la diversité, comme celui qu'il y avait du néolithique jusqu'au XXe siècle. Mais ce n'est pas ça. En fait, on se dit, il y a une diversité, il y a des ressources génétiques, et il faut limiter l'érosion des ressources génétiques. Ça, c'est une phrase très courante chez les gens qui s'occupent de ça. C'est-à-dire que, comme si jamais ça avait été créé une fois pour toutes et qu'il fallait juste les perdre pas trop vite, comme si jamais c'était une ressource non renouvelable, comme si c'était du pétrole ou du charbon. Non, ce n'est pas vrai. Il suffirait de changer notre système de production pour reproduire de la diversité dans les plantes cultivées. C'est faisable. Donc, je voudrais vous dire qu'il y a des solutions. On sait comment faire mettre en place des systèmes de sélection participative avec les agriculteurs, mais qu'actuellement, malheureusement, les technologies du XXIe siècle sont mises au service d'une science du XVIIIe, c'est-à-dire une vision de la genèse, comme ça, des choses créées une fois pour toutes qu'il s'agit de conserver telles quelles. Et donc, aujourd'hui, évidemment, sous l'action du fait qu'il y a des profits immenses à faire avec ces biotech, etc., on est en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire sur ces questions de biodiversité, sur les plantes les plus importantes pour nous qui soient, c'est-à-dire celles qui nourrissent l'humanité. Donc moi, je voudrais vous dire que je
vous prédit que si on continue comme ça, il va y avoir des catastrophes, que je sais ce qu'il faut, on sait ce qu'il faut faire. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la sélection participative, sur comment remettre en œuvre des systèmes qui font de la diversité, mais évidemment, ils sont extrêmement mal financés et ils sont extrêmement minoritaires, moins de 1% par rapport à ceux qui font des biotech à l'INRA, par exemple. Mais que si on ne remet pas en œuvre des systèmes qui fabriquent de la diversité dans les plantes cultivées, bah, on prend d'énormes risques et que si jamais on oublie qu'il faut faire avancer le vélo pour ne pas se casser la figure, et bah, on se cassera la figure et ça sera notre faute. Voilà, donc je m'arrête là et je voudrais vous remercier pour votre attention. Je vais même aller plus loin. Oh, bon, je peux peut-être répondre sans micro, ça va comme ça, non? D'accord. Si on enlevait le brevet, pour moi, ça résoudrait à peu près tous les problèmes. Pourquoi? D'une part, parce que ça éliminerait ce problème-là, qui est pour moi le problème le plus grave. Et deuxièmement, parce que certes, il y a d'autres problèmes. Par exemple, on est à peu près sûr maintenant que le fait de manger du Roundup, ce n'est pas bon pour la santé. Or, on n'a jamais... Le Roundup, c'était un herbicide qui tuait toutes les plantes avant. Donc, on ne risquait pas d'en manger, puisque s'il y en avait sur la plante, eh ben, elle était morte, donc vous ne la mangiez pas. Une fois qu'on a fabriqué des OGM résistants au Roundup, on est en situation de manger du Roundup. Alors, nous, on n'en mange pas des masses, parce que c'est surtout ce qui est importé de plantes résistantes au Roundup, c'est surtout des tourteaux de soja, des choses comme ça, qui sont mangées par nos animaux domestiques. Donc, eux, ils en mangent, mais nous, non. Bon. Alors, la question de savoir si c'est bon pour eux ou pas se discute, mais ce n'est pas un problème médical, en tout cas. Ceci dit, les tests sur ces questions-là ont donné naissance à des controverses d'enfer, parce que les tests sont faits n'importe comment, croyez-moi. On fait une trentaine de rats, regardez, sur 3 mois, et si jamais ils ne meurent pas, crac, c'est bon, quoi. Donc, évidemment, avec des effectifs pareils, on ne peut rien voir. Quand Séralini, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, a voulu faire un test sur plus longtemps que ça avec les mêmes rats, il est tombé devant un tribunal de l'inquisition des scientifiques. Quand je vous parlais d'intégrisme tout à l'heure, là, on l'a bien vu. Et sa manip était ni mieux ni pire que celle qui permettait d'accepter les OGM, mais tous ces gens qui se sont mis à lui crier dessus auraient dû, par la même occasion, dire que tous les tests qui avaient permis d'accepter les OGM étaient nuls, et ils ne l'ont pas fait, ce qui montre bien la nature un peu religieuse, si vous voulez, de la question. Bon. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel déséquilibre? Eh bien, je pense que c'est d'abord parce qu'il y a des moyens immenses qui sont mis. Il faut que vous compreniez bien que tous les labos de biologie sont financés par les boîtes de biotech à l'heure actuelle. Moi, une fois où je faisais une conférence dans ce genre-là devant des collègues biologistes, il y en a un qui vient me voir à la fin et qui me dit « Il y en a marre de tes histoires à cause de vous, les anti-OGM, on a de moins en moins de bourses de thèse. » Je lui ai dit « Tu vas quand même pas foutre l'agriculture mondiale en l'air pour avoir quelques bourses de thèse en plus. » Et il m'a répondu « L'agriculture mondiale, je m'en fous. » Comprenez? Mais c'est-à-dire que c'est pas qu'il s'en foutait vraiment, mais c'est qu'il ne voyait pas le rapport, quoi. Lui, il avait besoin de bourse de thèse, point barre, le reste, bon. On est dans cette situation très, très curieuse, si vous voulez. Donc, si jamais il n'y avait plus le brevet, l'enjeu financier serait tellement plus faible qu'on pourrait moraliser la situation. Mais là, l'enjeu financier est tellement monstrueux, c'est toute la nourriture de l'humanité. Vous pensez bien que les boîtes ne vont jamais accepter de faire des choses honnêtes pour savoir si c'est dangereux ou pas, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, du coup, si vous voulez, les questions de toxicité ou éventuelles OGM, etc., sont une conséquence secondaire du fait qu'il y a le brevet et que, du coup, ça donne trop de poids au système. Donc, moi, je fais partie de ceux qui disent on enlève le brevet et, en gros, rapidement, tout sera résolu. Mais faites-moi confiance, les boîtes ne laisseront pas enlever le brevet là-dessus. Si on le faisait, d'ailleurs, elles arrêteraient de faire des OGM. J'avais en fait deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est pour vous dire qu'on est très influencé par la culture judéo-chrétienne. Je voulais savoir si, du point de vue des pays asiatiques, il y avait une autre vision de la biodiversité qui a émergé. Ça, c'est la première question. La deuxième, qui n'a rien à voir, c'est pour reprendre sur votre image là, le système des dynamiques que
Ok, alors, attendez, la première question, c'était... Oui, alors, écoutez, asiatique, je vous avoue que j'en sais rien, c'est compliqué à dire, parce que les grands pays asiatiques, comme la Chine, par exemple, sont partis à fond sur les OGM, vous savez, on dans un premier temps, pas pris un soin extrême de leur environnement. C'est en train de changer. Mais ils sont rentrés dans une logique, si vous voulez, qui était une logique relativement occidentale sur ce genre de plan. Là où on voit des vraies différences de traitement, c'est quand on va chez des populations qui sont animistes, par exemple. Il y a un spécialiste de la question qui s'appelle Philippe Descola, qui est prof au Collège de France, qui travaille sur les... Alors c'est difficile de décrire son travail parce qu'il travaille sur la perception de la nature, si vous voulez, dans d'autres cultures que la nôtre. Seulement, rien que dire ça, c'est faux. Parce que si vous allez chez des animistes, chez Zadia Nashua, qu'il a beaucoup étudié en Amazonie, eh bien, la notion de nature n'existe pas. Parce que les humains et la nature, c'est la même chose. Et les humains sont... Et puis, il y a certaines plantes, comme je sais pas, le manioc, par exemple, qui vont être considérées comme quasiment les égaux des humains. De même, d'ailleurs, pour vous citer une expérience vécue, il y a quelques années, on avait fait un travail sur le pastoralisme dans l'Afrique sahélienne, et il y avait un berger Peul qui avait beaucoup aidé les chercheurs qui travaillaient là-dessus. Et du coup, pour le remercier, une fois qu'ils ont eu fini leur recherche, ils l'ont invité à venir faire un séjour en France, visiter la France. Et évidemment, il s'est passé des drôles de choses, parce qu'ils l'ont emmené se promener dans la campagne, il a vu une vache qui était attachée, et il a couru pour la détacher, et il voulait casser la figure au type qui l'avait attachée. Pour un peu, la vache, c'est sa sœur. Si vous voyez votre sœur attachée à un piquet dans un champ, vous ne seriez pas d'accord. Et après, ils lui ont montré un élevage industriel, et il a eu des mots incroyables. Il a dit, mais vous savez, on m'avait raconté vos histoires de camps de concentration, et je ne comprenais pas bien. Mais maintenant que j'ai vu comment vous traitez vos vaches, je comprends mieux. Donc, là, oui, bien sûr, il y a d'énormes différences de traitement du monde vivant dans son ensemble, selon des cultures, ça c'est sûr. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais allé interviewer Philippe Descola sur les questions de biodiversité un jour, et j'avais fini par une question qui était qu'est-ce que t'aimerais voir comme expérience pour essayer de traiter les questions de biodiversité? Et il a réfléchi un moment, puis il m'a dit, oui, il y a un truc que j'aimerais vraiment bien voir, j'aimerais qu'on confie la gestion d'une réserve à un animiste. Parce que justement, notre vision du monde où la nature est séparée de l'homme nous amène à gérer la nature d'une façon très différente. C'est que maintenant, on est certain que la diversité de la forêt amazonienne est due pour partie au travail des Indiens. Vous enlevez les Indiens, il y a moins de diversité. Ils ajardinent leur forêt. La forêt soi-disant vierge, hein, c'est parce qu'on considère que les Indiens font partie de la nature et qu'ils ne sont pas partie de l'humanité. Donc, voilà. Oui, bien sûr, sur cette question-là, il n'y a pas de doute. Alors, votre deuxième question... Alors, actuellement, oui, ça c'est une bonne question. En fait, on constate actuellement que tous les indicateurs vont dans le même sens. Les populations deviennent plus petites, beaucoup de populations s'éteignent. On n'a pas encore beaucoup d'extinctions d'espèces, en réalité, mais on a beaucoup d'extinctions d'entités plus petites, et on a une baisse des effectifs dans presque tout, sauf quelques espèces envahissantes. Donc, en réalité, ce qu'on constate, c'est que quelle que soit l'échelle à laquelle on se place, quelle que soit l'entité qu'on regarde, on est dans une décroissance, et une décroissance assez forte. Donc, du coup, il y a des gens qui font des extrapolations en disant que d'ici 30 ans, il y aura la moitié des espèces de mammifères qui seront éteintes. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une dynamique d'effondrement. Et oui, je pense que... Moi, j'aime bien l'image du satellite là-dessus. Entre un moment où votre satellite ralentit un peu... et où, du coup, il va quitter sa trajectoire stable. Et puis, le moment où vraiment il se casse la figure, il y a du temps. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous pouvez peut-être encore le rattraper si vous leur donnez encore une pichenette. Au moment où vraiment il commence à se casser la figure, là, ça devient vraiment difficile. Ce qu'on a vu dans les extinctions passées, en regardant les traces fossiles, c'est qu'effectivement, il y a des signes avant-coureurs, et puis après, boum, il y a d'énormes extinctions, d'ailleurs, souvent en plusieurs plateaux. Comme si vous aviez un gros édifice très compliqué et dynamique, et puis vous voyez, vous faites effondrer un bout, ça se tient encore un moment, puis du coup, vous allez avoir diverses vagues. Et là, je crains qu'une fois qu'on est parti là-dedans, ça soit très difficile à arrêter. Donc moi, je ne vous dis pas que le spécimen va s'éteindre, j'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est que ça ne sera pas rigolo pour ceux qui seront là. Alors, juste pour une touche d'optimisme, est-ce qu'il y a des espèces
Alors oui. Non, il n'y a pas. Alors vous voyez, le problème, c'est que l'émergence des espèces, comme je vous l'ai montré, c'est un phénomène progressif. Donc à quel moment est-ce que. Vous voyez, c'est la question de décider si jamais telle variété qu'on appelait avant variété est maintenant acquis le statut d'espèce. Ça peut se discuter. Effectivement, on voit apparaître chez les insectes des nouvelles espèces. Je vous ai cité le moustique du métro londonien. Il a toutes les caractéristiques d'une espèce au sens plein, puisqu'il n'a pas la même écologie que les moustiques qui sont dehors, vu qu'ils résistent plus au froid. Et il n'a pas la même date de reproduction. Comme il est au chaud tout le temps, il se reproduit plutôt que les moustiques de dehors. Donc c'est deux bonnes espèces. Pour le moment, voilà, s'il n'y a pas de quoi... Enfin, ça fait une espèce de plus, oui. Ouais. Ouais. Est-ce qu'un jour l'être humain aura fait une fonction vraiment à part, ou sera vraiment un être comme un autre, comme un animal, comme une plante, comme un champignon, en caricaturant un peu C'est très compliqué parce que ça va un peu dans tous les sens cette affaire. Effectivement, vous avez raison, il y a une prise de conscience. Par exemple, donc, il y a des gens qui critiquent le spécisme. Le spécisme, donc, c'est donc l'équivalent à l'échelle des espèces du racisme à l'échelle des races, c'est-à-dire dire. Fond, notre espèce n'a pas à se donner le droit de maltraiter les autres espèces, alors ça va un peu loin, parce que, évidemment, la question, hein, vous savez qu'il y a des moines bouddhistes qui balayent devant eux pour ne pas risquer d'écraser une fourmi, et à qui ne viendrait pas à l'idée d'écrabouiller un moustique qui les pique, mais je pense qu'on en est pas, on est loin d'en être là, en tout cas chez nous. Moi, il se trouve que le week-end dernier, j'étais à une réunion avec diverses personnes qui se préoccupaient de ces questions-là, et entre autres, donc, des gens qui défendaient le vegan, hein, l'idée de ne plus du tout élever un animal pour le tuer, ni utiliser la moindre partie du corps d'un animal, soit pour la manger, soit pour se faire des chaussures, ou tout ce qu'on voudra. Et évidemment, il y a eu des gens dans la salle pour leur poser la question, oui, mais il y en a un qui lui a dit, moi, j'adore les carottes, et je trouve ça scandaleux qu'on plante les carottes et qu'on mange des carottes, donc si vous voulez estomper toutes les différences entre espèces, la question c'est qu'est-ce qu'on va manger, là, pour le coup, parce que, ou alors on va être obligé de faire du cannibalisme, quoi. Donc, effectivement, pour le moment, la barrière qui était entre l'homme et le reste des animaux, alors on a un peu rajouté les singes avec nous, les grands singes, bon, allez, on va... Sauf qu'on est en train de détruire leur habitat quand même et qu'ils vont disparaître, comme ça, après, ça sera réglé. Et puis, ben là, le monde animal, mais pas tout le monde animal, hein, les mammifères, disons. Hein. Et puis, les poulpes, bon. Enfin, les insectes et les fourmis, je crois que c'est pas demain. Et puis après, les plantes, alors là, on s'en fout. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que tout ça, c'est au niveau du respect de l'individu. Hein, mais le maintien d'une dynamique évolutive sur l'espèce, c'est un autre problème, un tout autre problème. Et ça, pour le moment, on n'y est pas. On est encore terriblement dans une vision de pureté de la race. Moi, je le vois quand je discute avec des collègues de l'INRA. Vous savez, à l'INRA, il y a des gens qui cherchent désespérément des méthodes pour cloner les vaches. Oui, ça serait super, parce que vous avez une vache qui produit plus que les autres, ben voilà, vous la clonez, tout le monde a la même vache, c'est génial. Hein. Mais c'est ultra dangereux, quoi. Mais... S'il y a moins de diversité... Ah oui, si jamais, si vous vous préoccupez, si vous préoccupez de la planète, je n'ai aucune inquiétude pour elle. On est bien d'accord. Ce qui m'inquiète, c'est la vie qu'auront les humains qui habitent cette planète. On est bien d'accord avec ça. Des extinctions massives, il y en a déjà eu. Hein. On parle d'extinction des dinosaures. Vous savez que c'était 95% des espèces qui se sont éteintes à ce moment-là. Les dinosaures, d'ailleurs, ils ne se sont pas éteints.
Enfin, j'espère que vous le savez tous, puisqu'il reste tous ceux qui avaient des plumes et qui ont développé des becs. Donc, il y a eu des extinctions massives, et certainement, ce n'était pas agréable de vivre ce genre de période. Moi, c'est ça qui m'inquiète pour mes successeurs. Hein. Mais effectivement, je ne m'inquiète pas pour la planète. Après, la question morale, effectivement, éthique, est-ce qu'on a le droit de décider que telle ou telle forme vivante doit disparaître de la surface de la Terre? Ça, c'est une question éthique. Et moi, il y a une question sociale qui me préoccupe aussi pas mal, c'est quelle société produisons-nous quand nous acceptons de détruire les autres formes vivantes? Moi, en réalité, pour moi, ça ressemble un peu au débat sur la peine de mort. À la peine de mort, si vous traitez économiquement la question, ben évidemment, ça coûte moins cher de tuer un gars que de le maintenir en prison éternellement. Donc, sur le plan économique, on devrait être pour la peine de mort. Mais la question, c'est quelle société une image se donne d'elle-même quand elle se permet de tuer ses membres? Eh bien, la même question pour moi se pose, quelle image une société se donne d'elle-même quand elle se permet de faire disparaître ce qui l'entoure? Et ça, je pense que c'est des questions vraiment compliquées sur lesquelles on n'a pas beaucoup de données. Les anthropologues et les sociologues n'ont pas énormément travaillé ces questions, mais je trouve que ça, c'est des questions vraiment importantes. Ouais. Non, elle n'est pas irrelevante, elle est un des critères possibles. On a confondu une définition et un critère. Si vous voulez avoir un rameau qui s'éloigne suffisamment des autres rameaux de l'arbre pour que vous ayez envie de lui donner une individualité forte, une manière simple, c'est qu'effectivement, il ne puisse plus se croiser avec les autres. Mais il y en a d'autres. Ça suffit pour dire que ce n'est pas la même espèce. Ça suffirait pour dire que ce n'est pas la même espèce, sauf que dans une population, il peut y avoir des individus qui ne peuvent pas se croiser entre eux, et du coup, ça serait un peu abusif. Si vous voulez, pour qu'il y ait une espèce différente, ça, je pense qu'il y a un accord général des biologistes, il faut qu'il y ait à la fois isolement et divergence. Alors, donc, si vous n'avez que l'isolement ou que la divergence, ça ne suffit pas. Maintenant, si vous avez une divergence suffisante et pas d'isolement, eh ben, c'est quand même des espèces différentes. Et si vous... voilà. Le chêne pédonculé et le chêne sessile, par exemple, s'hybrident tant que vous voulez. Mais on retombe toujours sur des chênes pédonculés et des chênes sessiles, et il y a assez peu d'hybrides qui restent dans le système. Donc on va dire que c'est des espèces différentes. Les lions et les tiques peuvent s'hybrider, mais ils n'habitent pas au même endroit. Donc évidemment, ça n'empêche pas que ça soit des espèces. Voilà l'histoire des goélands. Ouais. Voilà, vous voyez, là, ben, il n'y a pas de solution simple. Hein. Et ce n'est pas très grave une fois qu'on a compris que c'était juste une convention de... C'est-à-dire qu'enseigner la biologie sans parler d'évolution dès le départ, à mon avis, c'est une grave erreur. Parce qu'on est obligé de présenter un monde fixe. Et c'est beaucoup plus dur de revenir en arrière sur un truc qu'on a présenté faux comme ça au départ que de présenter le truc. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de parler d'évolution tout de suite aux enfants, mais les enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut leur raconter plein de choses. Éventuellement, des trucs qu'on trouve assez compliqués, ça rentre doucement. Moi, l'exemple que je prends souvent avec mes collègues de l'enseignement primaire et secondaire, il y en a qui me disent « Oui, mais il faut respecter un certain ordre dans le progrès des connaissances. » Je leur dis bah, « C'est ça, apprenez aux enfants que la Terre est plate. » Et puis, en troisième, vous leur direz qu'elle est un peu bombée. Et en terminale, ils verront qu'elle est ronde. C'est pas possible, vous comprenez, si jamais vous avez été élevé dans un monde où la Terre était plate, c'est vachement dur d'admettre qu'il y a des mecs avec la tête en bas de l'autre côté. Et quand vous dites à un enfant que la Terre est ronde, effectivement, il y en a un certain nombre qui posent la question. Et les mecs de l'autre côté, ils se cassent la figure. Non, 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 ça tient quand même. Bon, ah bon, très bien. Puis voilà, le môme, au bout de quelques années, ben, il a intégré le fait que ça marche comme ça et ça va. Si on ne lui avait pas dit ça dès le début, ça aurait été infiniment plus compliqué. Ben, si on présentait l'évolution dès le départ et qu'on présentait les espèces à partir d'une vision évolutionniste, je pense que ça donnerait une toute autre image du monde vivant aux enfants que ce qu'on fait en leur présentant un monde créé et leur disant finalement qu'en troisième, que ça a évolué. Actuellement, le musée en histoire naturelle réfléchit, enfin, on change sa conception de créer des zones naturelles, donc d'intérêt écologique, holistique et forestier. Les premières s'intéressaient surtout aux espèces. Ils sont en train de voir maintenant comment ça peut croiser leur conception et on s'attache plus à l'espèce, mais à l'habitat et les relations entre les espèces. C'est-à-dire qu'ils vont être non seulement des espèces,
C'est tout à fait favorable, mais pour moi, là où on a fait un pas décisif, c'est au cours du Grenelle de l'environnement, quand on a réussi à faire passer les idées de trame verte et bleue. Parce que si vous voulez remettre une dynamique dans le système, il faut arrêter d'avoir des petits machins isolés. La trame verte, hein, c'est donc le fait de relier les forêts entre elles et les trames bleues pour les systèmes aquatiques. Évidemment, si vous voulez donner de la dynamique au système, il faut que les choses puissent bouger. Et en contexte de changement climatique, on va quand même, tiens, je vais en parler quand même, puisque c'est le thème de vos conférences, évidemment, tout ce que je vous ai dit là, évidemment, ça a une importance accrue à cause des changements globaux. D'ailleurs, j'aime pas le changement climatique, c'est un élément dans les changements globaux. Et dès que vous avez des changements climatiques, d'ailleurs, ça induit, par exemple, le fait que des parasites se mettent à se balader et à se retrouver ailleurs que là où ils étaient avant. Donc, des maladies nouvelles, on en voit arriver chez les humains. J'ai une amie qui définit les maladies émergentes comme des maladies qui ont la mauvaise idée de sortir du tiers-monde. Et c'est quand même bien ça qui se passe. Donc, évidemment, il y aura les mêmes problèmes sur les plantes, etc. Mais donc, vous avez... donc, ces changements, ils vont... Si jamais vous gardez même un écosystème vachement intéressant à un endroit, avec le changement climatique, votre écosystème, il ne va pas pouvoir tenir là. Si vous ne le connectez pas avec d'autres... et qu'il ne peut pas y avoir des mouvements, et ben ça ne suffira pas. Donc ça, c'est la première fois qu'on a réussi à faire passer dans les textes des choses comme ça, c'est au Grenelle, avec les trames vertes et bleues. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne s'est rien passé au Grenelle. Ce n'est pas tout à fait vrai quand même. Il y a eu un certain nombre de progrès sur ces questions. Vous avez fait une allusion rapide au transhumanisme à l'échelle de l'horizon 2025. C'est la singularité. C'est eux qui disent qu'il y aura une singularité à ce moment-là, moi, je vous avoue que... La singularité, ce sera vraiment la convergence NBIC qui devrait se produire à ce moment-là, c'est-à-dire que l'évolution de nos capacités techniques en nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitions devrait atteindre, d'après leurs calculs, à ce moment-là, un moment où il va devenir vraiment possible de fabriquer un homme avec plein de choses en plus. Alors, ça prend des formes très diverses. Vous savez qu'il y a pas mal de transhumanistes qui commencent leur conférence en disant « Dans cette salle, il y a des gens qui atteindront 300 ans ». Et alors, tout de suite, tout le monde se regarde en se demandant est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le voisin et tout. Et c'est assez extraordinaire de raconter ça alors que la durée de vie est en train de rediminuer. Mais voilà, l'idée de rendre les gens plus ou moins immortels, en tout cas de prolonger la durée de vie de plusieurs dizaines d'années ou centaines d'années, tout ça deviendrait possible grâce à la convergence qui se produirait. Moi, 2025, je pense que c'est n'importe quoi, mais... Mais le fait de prolonger les gens beaucoup plus longtemps, ça, bien sûr que ça peut être techniquement faisable, à des coûts éthiques élevés. Si vous fabriquiez un clone et que vous le mettiez dans un frigo et que vous puissiez récupérer les organes les uns après les autres, quand vous en avez besoin, ça vous permettrait de vivre beaucoup plus longtemps. Maintenant, vous pouvez être d'accord ou pas avec cette méthode. Oui. Alors écoutez, je ne connais pas l'échelle mondiale, je connais... C'est dans les pays... alors aux USA, ça fait un petit moment, en France, ça commence. Et à l'échelle mondiale, elle continue à monter. Oui, je suppose que oui, mais parce qu'elle monte dans des pays à très très basse durée de vie. Alors, n'oubliez pas que la durée de vie qu'on connaît, c'est la durée de vie des morts. Hein. On ne connaît pas la durée de vie des vivants, évidemment. Donc on connaît que ce qui concerne les générations d'avant. Oui, il y a une question. C'est un petit peu tout à fait le même sujet, mais quel est l'effet des perturbateurs endocriniens sur les perturbateurs endocriniens donc, sont des molécules qui ressemblent à des molécules, à des hormones, et qui du coup vont perturber notre fonctionnement, en particulier sexuel. Une des conséquences évidentes qu'on ne peut pas rater, c'est que les spermatozoïdes de... Nos spermatozoïdes sont trois fois moins viables que les spermatozoïdes de nos grands-pères. Donc, il y a des cas d'infertilité masculine importante. Les effets, vous savez, moi je pense que les effets, c'est que ça va développer les procréations médicalement assistées. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'autres effets que le fait qu'on va changer un petit peu notre mode de fonctionnement vis-à-vis de la procréation. Dans nos sociétés, le fait d'avoir un enfant dépend quand même beaucoup plus du fait qu'on en veuille que du fait qu'on soit capable d'en faire, en quelque sorte. Donc, je ne suis pas sûr que ça ait des effets énormes sur ce plan-là. Sur les animaux, effectivement, on voit des... Il y a des formes...
il y a des animaux, par exemple, chez lesquels on voit des tas de poissons qu'on voit intersexués. Alors, aux USA, c'est ultra net, à proximité de toutes les fermes où on fait de la viande aux hormones. Et quand on donne des hormones aux vaches pour qu'elles produisent plus, quand on vend la viande, d'ailleurs, ça a été un sujet de dispute entre l'Europe et les États-Unis, c'est que l'Europe refusait la viande aux hormones. Et les États-Unis disaient, vous n'avez pas le droit de la refuser parce que les hormones, elles ne sont plus dans la viande. C'est vrai, elles ne sont plus. Les vaches pissent tout. Hein. Évidemment, du coup, ça part dans les rivières. Et donc, les poissons sont dans un état lamentable dans toutes ces rivières. Et ils ont des systèmes sexués complètement abracadabrants. Bon, effectivement, ça peut être un des effets nocifs de notre activité sur les formes vivantes. Ah oui, bien sûr, oui. Écoutez, ça dépend des perturbateurs, ça dépend de ce que vous appelez se développer mal. Et le distilbène, par exemple, hein, qui était une molécule qui a été donnée aux femmes enceintes il y a une cinquantaine d'années pour soi-disant maintenir leur grossesse et qui en réalité a effectivement eu pour conséquence que leurs filles soient relativement stériles. On constate effectivement que leurs filles ont quand même réussi souvent à faire des enfants et que les enfants de ces filles ont parfois des problèmes aussi de malformation. Donc effectivement, mais de malformation au niveau du système sexuel. Je ne crois pas qu'on en ait décrit encore. Oh si, non, j'exagère. Non, il y a des cancers des voies génitales chez les enfants, par exemple, qui sont probablement dus qui sont facilités par la présence de perturbateurs endocriniens. Non, c'est sûr que ces molécules-là, il faudrait arrêter, mais vous savez, on met, je crois, 5000 molécules en circulation tous les jours. Hein. Et il n'y a même pas... Donc il y a un programme qui s'appelle REACH au niveau européen qui cherchait à tester chacune de ces 5000 molécules, au moins avoir une idée, quoi. Et évidemment, ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est de tester les effets cocktails. Alors, vous imaginez sur 5000 molécules le travail qu'il faudrait faire. Merci. Merci à tous d'être venus. Je laisse le PowerPoint sur le bureau, je ne sais pas si vous en avez besoin, mais...